You were searching for the perfect woman. You wound up falling in love with me. You can't be alone. I can't be too close. It's not you, I just can't feel anything. Are you seeing anyone? Are you in love with anyone? Sign and Wonders est un film cru, très dense et dont la vie est tous les instants. Pour raconter cette histoire, celle d'un homme qui se perd dans les signes et les coïncidences et de sa femme, Jonathan Nociter, le réalisateur, a choisi Stellan Skarsgård et Charlotte Rampling. C'est pour nous l'occasion de retrouver Charlotte Rampling dans un rôle contemporain et bien vivant. Nous avons eu envie de partir de l'expérience de ce film pour aller parler avec Charlotte Rampling de son métier de comédienne. Ce serait très étrange. Ça, j'arrive pas. C'est vraiment pas cool. Charlotte Rampling, ce que j'aimerais savoir, c'est ce à quoi vous étiez sensible quand vous avez lu le scénario ou quand vous avez rencontré Jonathan Nociter et qui vous a poussé à faire ce film ? Lui. C'est lui. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui... Il faut avoir vraiment envie de... des histoires, des rencontres, des pays, toutes sortes d'idées mélangées qui est le cinéma. Et la personne qui est la plus importante, c'est en effet le metteur en scène, parce que c'est lui qui a créé l'histoire, et donc il faut se joindre un petit peu dans sa tête quelque part pour voyager avec lui. Et Jonathan est quelqu'un qui m'a énormément séduit à tout point de vue, parce qu'il a, il a non seulement la faculté d'écrire ce qu'il veut, mais l'enthousiasme, l'énergie et le désir de vraiment vous embarquer avant que vous n'y allez, voilà. What happened to me in the United States was... You wanted to talk about the kids. Yeah. Right. I mean, I don't think it has anything to do with me. What happened to you in the States? No, of course not. You're not eating, Alec. You should eat. Qu'est-ce que vous avez appris sur le tournage de ce film, dans le travail, par exemple, avec ce metteur en scène ? Qu'il y a... qu'il ne faut jamais... qu'il ne faut jamais se dévier d'un certain... comment dirais-je, un certain... chemin qu'on a pris. J'ai, dès le début de ma carrière, décidé de tourner que des films que j'avais l'impression que ça valait la peine d'être filmé humainement, artistiquement et avec l'histoire qui peut-être pourrait toucher d'une manière entière et vraie, même si les histoires étaient difficiles à casser, les spectateurs. Et Jonathan m'a apporté cette histoire quand je l'ai rencontré. Je vous dis au début de cette interview que c'est lui qui m'a totalement séduit, parce que c'est quelqu'un qui est comme ça, c'est quelqu'un qui est entier et qui est combattant, qui est combatif, qui est révolutionnaire et qui ne dirait jamais oui à quelque chose qui ne sentirait pas. Et les artistes, très souvent, n'ont pas la possibilité de dire ça. Ils peuvent, mais ils n'auront pas un rond, ils n'auront pas les artistes, acteurs avec, ils n'auront pas leur production et comme vous savez très bien, c'est difficile quand on a une façon d'être un petit peu différent que la norme d'exister. Glad to meet you.
glad you could come. Well, I wanted to thank you for your help. Zoners? Ah, you know them. You shouldn't have. Thank you. I've been haunted by your story. I've had to go through a divorce myself. Come on, Naya. Come on. She's sick. And she... Come on. Though, in my case, I was the one dumped. Qu'est-ce que vous attendez d'un metteur en scène? Quelles sont quelle est la façon dont vous aimez qu'on vous dirige? Quelle est... N'importe. Metteur en scène, c'est un homme, c'est une femme, c'est une personne, et je me suis un petit peu livrée à lui, à elle, pendant 6 semaines, 2 mois, 3 mois. Je suis à lui ou à elle. Je suis sa chose, qui ne veut pas dire du tout que je n'ai plus de... que j'ai plus d'identité et de façon d'être moi-même, pas du tout, au contraire, mais je suis dans son univers, totalement. Je suis consentante à tout. Est-ce qu'il y a lieu d'avoir peur aussi de faire ce métier? Oui, mais il faut avoir peur. Sinon, on ne fait rien de bien. Vous avez toujours peur, par exemple? Oui, toujours. Presque dans tout ce que je fais, oui. Mais c'est du moment que la peur ne vous paralyse absolument, qu'elle ne vous paralyse pas, vous surmontez ça et c'est ça qui fait des belles choses. Mais la peur, c'est le désir. Vous avez peur parce que vous désirez quelque chose. Et vous le désirez peut-être plus que tout, donc vous sautez dans le vide et vous y arrivez. Et quand on y arrive, c'est une satisfaction, c'est un grand plaisir. C'est pas en le faisant, non. Je peux pas dire que j'ai du plaisir en le faisant, non. C'est trop chargé. C'est pas un plaisir, non. Peut-être qu'il y a d'autres formes de se livrer où on a le plaisir, mais peut-être la scène, j'ai fait très peu, mais même la scène, c'est quand même, on est dans une attente et une vibration telle que le plaisir ne peut pas rentrer vraiment. Mais qui ne veut pas dire que la performance n'est pas bonne à cause de ça. Pas du tout, parce que le désir est là et le désir fait que vous êtes dans le film ou sur la scène. Mais y a une telle maîtrise aussi par rapport à ce que vous faites que vous pouvez lâcher. Le plaisir, c'est l'orgasme quand vous lâchez complètement, mais là, vous ne pouvez pas. Parce que vous êtes quand même tendu à tout point de vue. Donc le plaisir, c'est après. Il vient après. Ben, il vient après. Il vient quand on voit ce qu'on a fait dans le contexte. Pas par petits bouts, mais dans le contexte d'une œuvre. Et là, on peut vraiment avoir du plaisir. Là, je commence à avoir du plaisir maintenant, par exemple, mais c'est souvent un petit peu après aussi. Il faut voir les films plusieurs fois, et après, on commence à comprendre ce qu'on a fait. Voilà. Donc, c'est bien qu'on a des vidéos, parce que des fois, on peut les regarder, et vraiment voir et comprendre, et se réintroduire dans le personnage, qui est soi-même qui joue. Vous aimez, donc ça vous dérange pas, absolument pas, il y a des acteurs qui détestent se voir dans un film dans lequel ils ont tourné, ça c'est vraiment pas un problème pour vous, au contraire? Non, c'était un problème, mais là maintenant, c'est plus un problème, c'est intéressant. Même si je me vois différent, je me vois plus âgé, bon, pas comme... Mais il y a une sorte de connivence maintenant, je commence à avoir avec moi-même. Une sorte de, aussi, de... amitié. Tu cherchais toujours la femme idéale, et c'est moi que tu aimes finalement. Je ne peux pas être seule. Pas non plus trop près de l'autre. Non, tu n'y es pour rien. C'est moi qui ne sens plus rien. Tu as une autre femme dans ta vie.
Tu as quelqu'un dans ta vie? Est-ce que tu aimes une autre femme? Ce métier, vous le faites de façon très honnête. C'est important pour vous, ça? À ma façon, oui, parce que ma façon d'honnêteté, j'ai une certaine éthique qui est essentielle par rapport à mon existence d'artiste, d'acteur et de personne et de vie. Et s'il y a des choses là-dedans qui sont contraires à ça, et qu'il y en a beaucoup toujours, parce que le monde est fait de ça, je préfère passer à côté, oui. Donc ça veut dire qu'on n'a pas trop d'amis, on n'a pas trop de contacts, on n'a pas trop de choses qui marchent, mais quand les choses marchent dans le sens que, par exemple, ce film pour moi marche, même si ça ne marche pas commercialement, je ne suis pas le producteur, donc ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas choisi d'être producteur, mais pour moi, ça marche à tous les points, dans tous ces points-là que je vous parle. Dans une carrière de comédien, les gros films, les belles choses qu'on a vraiment eu envie de faire et qui, au final, sont ce qu'on avait envie qu'elles soient, il n'y en a pas tant que ça. Non. Non. Mais ce n'est pas grave. Du moment qu'on en fait un ou deux. C'est déjà ça, hein. Voilà, j'espère que ces deux femmes vous auront donné envie d'aller voir leur travail. On se retrouve samedi prochain à partir de 20h30 avec Oliver Stone pour son film L'Enfer du Dimanche et aussi Jérémy Podesova pour Les Cinq Sens. À bientôt.